régalé. Ah, il est très bon. Hein. Il est très goûteux. Oui, mais j'ai pas très bon. Pour faire un bon farci poitevin, il faut les bons ingrédients. Ah, sans oseille, il n'y a pas de farci de poitevin, non ? On met de la salade, de l'oseille. Tous les autres légumes vont aller dans le bouillon. Il faut aussi s'armer de patience. La préparation est longue. Du sel, du poivre, du thym, le laurier, tout y est. Le farci fait partie intégrante de l'histoire du Poitou. Il est difficile, voire impossible, de savoir de quand date la première recette de cette terrine à base de choux, de salade et autres légumes verts. Selon ce qu'il y avait dans le jardin, la ménagère, elle allait ramasser et elle faisait une farce de légumes avec un petit peu de lard. À l'origine, la recette se transmettait de mère en fille et était concoctée pour différentes occasions. Est-ce que c'est une recette de fête ou une recette de tous les jours ? Oh, ben de tous les jours. Ben pour des buffets campagnards, des fois, comme ça, ils font ça. C'est une spécialité rurale ? Oh oui, c'est en campagne, quoi, c'est notre coin. Pour le farci, il existe autant de puristes que de cuisiniers. Chacun apporte une touche particulière. Par exemple, dans le nord du Châtel-Roudet, on va mettre les légumes que j'ai présentés là sur la table. À Saint-Mexant, on va mettre du poireau. Là, les poireaux, je les ai mis dans le bouillon, mais il n'y en a surtout pas dans le farci. Et à Montmorillon, précisément, on va mettre des bêtes. Daniel s'est même amusé à ajouter des petits pois ou des haricots. Le seul impératif est d'employer des légumes de couleur verte. Là, il faut tout de même vraiment malaxer, hein. Vraiment bien malaxer. Pour remettre le farci au goût du jour, une petite entreprise s'est lancée dans sa fabrication semi-industrielle au début des années 80. Le premier objectif, c'était de bien l'implanter, enfin de créer un réseau de distribution suffisamment fort sur le plan régional, notamment le Poitou-Charentes. Notre deuxième but maintenant, c'est de le faire connaître hors frontières régionales, ce qui est beaucoup plus difficile. Depuis, d'autres ont franchi le pas, mais le farci a toujours du mal à sortir des frontières de la région, peut-être à cause de son aspect. En tout cas, selon Daniel, le meilleur farci est celui qu'on fait à la maison. Bon, je passe un petit peu par en dessous. Et voilà la bête. C'est bien de continuer à faire des recettes de région et à ne pas manger que l'on trouve dans tous les supermarchés, des choses comme ça, ça a tout le même goût, ça n'a aucun intérêt. Et là, on en a pour une heure et demie à peu près. Après la cuisson, vient le temps de la dégustation. Et voici le farci poitevin. Voilà. Ce plat, dont la texture oscille entre terrine et flan, est un bonheur pour les papilles des amateurs d'oseille. J'aime les bonnes choses. Tu nous régales, Daniel. Bien sûr.